Ici, Angel, ton motivateur personnel. J'espère que tu as préparé ton mental. J'espère que ton mental est fort parce que nous allons être motivés. Yes. Alors, vous savez, les talents ne viennent pas toujours emballés. Nos talents ne viennent pas toujours dans des papiers cadeaux. Des fois, on pense que nos talents viennent dans des papiers cadeaux. On dépose, là, il y a tout dedans. Il n'y a pas tout dedans. C'est un processus. C'est étape par étape, chaque jour, une journée à la fois. C'est pour ça que tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas abandonner. Oui, mais tu vas me dire, mais écoute, Angel, je travaille, mais je ne vois pas le résultat. Je fais ça, mais je ne vois pas le résultat. J'ai tellement essayé, mais je ne vois pas le résultat que j'attendais. J'ai tellement travaillé, mais je ne vois pas le résultat. Les talents, ça ne vient pas emballé dans un papier cadeau où tout est dedans. Tu dois travailler, alors n'abandonne pas. Ce n'est pas le temps d'abandonner dans cette saison. Celui qui n'abandonne pas n'échoue jamais. Je crois que je dois le répéter. Celui qui n'abandonne pas n'échoue jamais. Ce n'est pas le temps de lâcher. Ce n'est pas le temps de laisser tomber. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber dans cette saison. Ne me laisse pas tomber. N'abandonne pas. Même si, malgré que tu étudies, tu ne vois pas de résultats. Malgré que tu travailles dans ton entreprise, tu ne vois pas forcément les clients arriver. Malgré que tu fais tout, mais tu ne vois pas le résultat escompté. N'abandonne pas, tous les talents ne viennent pas emballer. Un jour va venir où il y aura quelque chose. Tu es en train de te préparer pour la prochaine opportunité. Tu te prépares pour la prochaine opportunité. Alors, don't let me down. Ne me laisse pas tomber. Tu es au bout. Il y a quelque chose qui arrive. Tu es au bout. Continue de pratiquer. Pratique. Continue de t'améliorer. Parce que la pratique mène à l'élévation. Continue de pratiquer. Continue. Ce n'est pas parce que ça ne vient pas dans un balai où tu as tout. Tout est dedans que tu ne peux pas faire quelque chose d'extraordinaire. Tu peux le faire. Oui. Ressors le meilleur de toi. Tu dois travailler. Travaille pour ressortir le meilleur de toi. N'abandonne pas parce que ça n'a pas fonctionné une fois, parce que ça n'a pas fonctionné deux fois, parce que ça n'a pas fonctionné trois fois. Maintenant, tu veux laisser tomber. Oh là là. N'abandonne pas si tu penses que non, tu as essayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, ça n'a pas fonctionné. Tu veux laisser. Ne me laisse pas tomber. N'abandonne pas maintenant. Tu es trop proche du but. Tu es trop proche du but. Vous savez, mieux vaut souffrir de la discipline que souffrir du regret. Discipline-toi, n'abandonne pas dès maintenant, tu peux encore le faire. J'aime bien dire qu'un bébé en moyenne, un bébé tombe en moyenne 2000 fois avant de savoir marcher. Oh là là. Un bébé tombe en moyenne 2000 fois avant de savoir marcher. Un bébé, 2000 fois. C'est-à-dire que si tu as essayé une fois, tu as essayé deux fois, tu as essayé trois fois, il te reste encore 1995 fois que tu essaies encore pour y arriver, mais n'abandonne pas maintenant. On gagne ou on gagne, il n'y a pas de perdant. On gagne ou on gagne. On arrive ou on arrive, on ne recule pas, on arrive ou on arrive. On marche et on brûle le pont derrière nous. N'abandonne pas maintenant. N'abandonne pas ton projet maintenant. Tu ne vois pas l'accomplissement maintenant. Tu ne vois pas comment c'est fait. Tu ne vois pas comment tu reçois ce que tu as tellement donné, mais tu ne vois pas le retour sur investissement. N'abandonne pas. Ne me laisse pas maintenant. Tu as encore beaucoup de choses à faire. Tu as encore énormément de trucs à faire. N'abandonne pas maintenant. Alors si tu étais sur le point d'abandonner pendant que tu me regardes, tu regardes mon émission, tu étais sur le point de lâcher. En fait, tu avais même peut-être lâché déjà. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Reprends ça. Continue. C'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps. Vous savez, tout le monde passe au travers de ces moments-là. Les montagnes russes. La vie, personne dans la vie, sa vie ne fait que monter. Personne, quand on ne vous monte pas. On ne vous monte pas. Personne dans la vie. Tout le monde a des combats. Alors, ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps de laisser tomber. N'abandonne pas. Tiens bon. Tiens le cap. Même si tu ne vois pas maintenant, éventuellement, tu vas le voir. À un moment donné, tu vas le voir. Mais fais-moi plaisir. Ne lâche pas. Et quand tu vas parler, tu viendras me remercier plus tard, te dire merci de m'avoir dit ça. Parce que si moi j'avais lâché, j'ai eu toutes les chances de lâcher. Si j'avais lâché, je ne serais pas devant vous en train de vous parler. N'abandonne pas. Alors fais-moi plaisir, n'abandonne pas dans cette saison. Tu vaux beaucoup mieux que ça. Alors même si tu as essayé une fois, deux fois, trois fois, continue d'essayer. Vous savez, si les faits Wright n'avaient pas essayé, on n'aurait pas eu toutes les inventions qu'on avait aujourd'hui. N'abandonne pas. Alors, c'était simplement Angel, ton motivateur personnel. Je répète encore, n'abandonne pas. Ne me laisse pas tomber maintenant. Ne me laisse pas tomber. S'il te plaît. Ne me laisse pas tomber. Continue. Combat pour ton rêve. On se voit dans une prochaine édition. Bye.